applaudir notre chef Frédéric. Daniel Tasca qui a beaucoup de points communs, j'étais surpris, ce compositeur, avec notre ami Jean Lebrun, que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Jean. J'étais surpris donc, quand on a composé donc, ce concert, je me suis dit c'est un anniversaire, ils vont faire un concert best-of. On va vous présenter ce que les musiciens désiraient de plus jouer ou rejouer. Et en faisant ce programme, j'ai découvert ce compositeur a commencé au clairon, comme Jean.
C'est un trompettiste reconnu qui a beaucoup joué justement aussi donc, à l'armée, comme Jean. C'est un compositeur qui a rencontré un certain maître Dondaine. Ben, Jean ne l'a pas rencontré, mais je sais qu'il a travaillé avec. On en parlera justement à la fin de ce concert. C'est aussi donc quelqu'un qui, en 85, bien mis avec toutes ses compétences, ça lui a permis de diriger l'orchestre de la garde républicaine du Niger. Non, pas comme Jean. Non, Jean n'a pas été au Niger. Non, ça non, ça se saurait depuis longtemps. Non, non, mais 85. En 84, Jean Lebon a repris la baguette de l'armée française. Et aujourd'hui, si nous sommes toujours là pour 250 ans, c'est grâce à Jean. Merci. Au cours de ce programme, nous allons faire un petit parcours dans le temps. On va faire donc aujourd'hui un honneur aux basses. Les basses vont nous donner la possibilité de pouvoir jouer le morceau Transformers. Transformers de Steve Jablonski, donc Transformers, fameux film. Et donc nous allons donc ainsi interpréter ce morceau. Vous pourrez donc entendre les graves s'exprimer. Merci pour votre écoute.
l'habitude de micro, je vous dis souvent. Bien. Bien, nous allons interpréter donc un morceau composé par Jacob de Hahn. Je prononce bien. Ouais. Jacob. Donc le morceau Dakota. C'était le choix de nombreux musiciens. Et je comprends. Franchement, la mise en parallèle de la vie des Indiens du Dakota, du Sioux, et notre vie à nous, il y a pas mal de choses en commun. Oui, bon, il n'y a pas les plumes, c'est vrai. Ce morceau donc, est composé de 5 parties, c'est une pièce, 5 parties qui décrivent tout simplement la vie des Indiens du Dakota. Dans un premier temps, nous allons invoquer le grand esprit. Grand esprit qui nous habite, celui de la musique. Puis ensuite, nous irons à la chasse au bison. Nous ne chassons pas le bison, non, on ne va pas aller jusque-là. Par contre, dans la vie de la musique, nous faisons souvent, chef d'orchestre, ou beaucoup, on va à la chasse aux musiciens. Et aussi, on va à la chasse au public, pour leur faire un maximum plaisir. Mais bon, on ne va pas vous abattre comme des bisons, ça je vous rassure, ça n'a rien à voir. Bon, j'ai fait ce que je peux, mais je fais ce que je peux pour trouver un comparatif. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Ensuite, nous allons donc fumer le calumet de la paix. Non, bien sûr, si vous fumez, je vous rassure, on ne va pas fumer. C'est interdit, je sais. Mais plutôt que pour faire la paix et entretenir les liens, entretenir des relations avec les êtres humains, on ne va pas utiliser le calumet de la paix, mais on va utiliser des instruments de musique. Ce que nous faisons justement. Et enfin, pour terminer, la dernière partie donc, après avoir dansé avec les esprits, en commémorant tous les grands esprits de l'harmonie, tous ces grands chefs qui se sont succédés durant ces 150 ans, eh bien, nous remémorons justement toutes ces personnes qui se sont données pour la musique. Tout de suite, nous interprétons Dakota. Thank you.
là, Miami, là. J'ai encore de la salive, j'ai encore de la. Bien, nous allons maintenant donc vous interpréter l'ouverture de Fabiola de Robert Martin. Pourquoi ce morceau? Tiens, je vais vous poser une question. Ce morceau, Fabiola de Robert Martin, c'est pas un choix de l'harmonie, mais pas d'exposé, c'est un choix personnel. En rapport avec Jean. Alors d'après vous, qu'est-ce qui peut lier ce morceau, Fabiola, à Jean Le Bon? Vous battez pas, pas tous ensemble, hein, je vous en prie. Vous êtes nombreux, hein? Non? Pas d'idée? Allez, je vais vous donner un indice. 1984. C'est l'année que Jean a commencé à diriger l'harmonie, c'est vrai. C'est surtout le premier morceau qu'il a dirigé. Donc nous allons tout de suite vous interpréter le tout premier morceau que Jean dirigeait en 84. Fabiola.
Eh bien, genre, que d'émotion, hein. Que d'émotion. Ah ouais, je vais me mettre à place, je comprends. Bah, j'ai pas des kilos, moi je le sens. Nous allons vous interpréter bien un générique. Générique de la célébrissime série, je vais essayer de prononcer ça comme il faut, Game of Thrones. Terrifiant ça. Alors là, compositeur, j'ai beaucoup de mal. De Ramin Djawadi. Alors, mon frère Bernays. Pourquoi ? Alors, c'est une série, hein, je vous raconte, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, depuis des siècles, sept royaumes s'affrontent pour un unique trône. Et non, bon, je ne vais pas vous refaire les 8 saisons, hein, c'est un petit peu long. Bon, par contre, musicalement parlant, 150 ans, il faut passer des choses. 150 ans, bien, beaucoup de personnes sont succédées, aussi bien en tant que musicien, en tant que chef. Bon, je vous rassure, hein, on ne va pas se massacrer dans Game of Thrones. Hein, bon, Jean est toujours là, la preuve vivante, vous voyez. Benoît Kiklé, ancien chef, donc aussi, présent ici parmi nous. Benoît, lève-toi s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas massacré pour être là. Grégory, je te demande aussi, donc ici présent parmi nous, et veux-toi, je t'en prie, lui aussi, il n'a massacré personne. Lorraine Bontemps, qui est parmi lui, qui a dirigé Hermine Bouzy aussi, là-bas au fond, qui est venu venir. Donc, bon, si je cite toutes ces personnes à la direction, mais aussi tous ces musiciens, toutes ces personnes, que ce soit secrétaire, bureau, dirigeant, c'est-à-dire que toutes ces personnes ont donné de leur temps face tout ce qu'on a de notre côté, de la vie privée, toutes ces choses que nous sommes amenés à affronter. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous continuons à faire ces choses. Je trouvais que c'était important peut-être de parler de la dynastie Game of Thrones comme on parlerait de la dynastie Ramin Djawadi, mais sans le sang et sans ces choses-là, hein, bien sûr. Tout de suite, Game of Thrones.
Tout à l'heure, une musicienne me rappelait, Fred, si c'est la nouvelle ère qu'on va lancer, 150 ans, n'oublie pas certaines personnes dans le pupitre, dans les pupitres qui ont joué, parce que j'ai peut-être en l'air, de temps en temps, j'ai tendance à oublier certaines personnes, et j'ai tellement la tête dans le guidon, qu'à un moment donné, je m'oublie la moitié, et j'ai oublié, mais bon, je crois qu'il commence à avoir l'habitude avec moi, de vous présenter les deux solistes de Fabiola, tout à l'heure à la trompette, Sylvain Baudry et Jérôme. Les Chroniques de Narnia, de Henry Gregson Williams. C'est le choix des saxophones. On avait proposé ce morceau-là, un morceau que j'aimerais bien jouer, et en particulier de Luc, ici présent. Luc, s'il vous plaît. Il est vieux, hein. Ah, il est vieux, extrêmement, hein. Ah, bah ouais. Et à la base, c'est une œuvre littéraire de Lewis. Considéré comme un classique de la littérature anglo-saxonne pour enfants, pour moi l'occasion de vous présenter les petits jeunes de l'harmonie. Lise Maillot, ici porte la flûte. Donc c'est son premier concert et issu de l'école de musique. Donc on rapplaudit de vol. Je vous présente à nouveau Luc Verbal, mais ce n'est pas son premier concert. Vous le voyez pas peut-être bien, mais bon, il va se lever, ça va aller mieux. Quentin Sénéchal à la trompette. À côté, nous avons Alix. C'est même pas son premier concert, mais elle rentre dans nos... C'est l'avenir. C'est l'avenir de la musique. Donc, comme tous ces jeunes, qui fait la fierté de papa et maman, au fond, n'est-ce pas? Il se cache tout au bout, vous le voyez peut-être pas. Pourtant, il est sur une estrade, derrière des gros instruments qui frappent très fort. Mathis Delalo. Aussi issu de l'école de musique, on va dire son premier grand concert. Il a intervenu pour le marché mondial de musique, et aujourd'hui, il fait son premier grand concert avec nous. Bien tout de suite, au Palais du Monde enfantin, les Chroniques de Narnia. Nous allons tous ensemble interpréter ce morceau. Thank you.
Ça va? Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Hein, j'ai chaud. Hein. Ça doit être les projecteurs. Nous allons nous mettre la façon de vous interpréter. Ouais, je commence à avoir un petit peu de marketing. The Hunger Games. Ça va, c'est correctement prononcé? Vous n'arrivez pas à tomber? Ok, arrangé par Jay Bocock. C'est toujours une œuvre littéraire adaptée au cinéma, mettant en avant. Oui. Merci à la technique. Prochaine fois, t'as plus de temps de marque. C'est, je passe dans le monde comme ça. Alors, donc, toujours une œuvre littéraire, mettant en avant le dévouement, l'amour, le sacrifice, la volonté de sortir, d'avancer, de penser à l'avenir. Comment dire? Dans ce film, on met en avant des gladiateurs qui ont peut-être une façon, mais des gens qui se battent pour une raison ou quelque chose derrière. Et vous savez, dans toute association, il y a des gladiateurs, il y en a, et ils sont là, ils sont parmi nous. Je vous les présente très vite fait, les gladiateurs. Justine, qui a collaboré énormément justement pour le festival. Notre logisticien dans la vie et aussi dans la musique, Julien. Mais bon, il n'y a pas que. Il y a une personne que je n'ai pas citée, et injustement par le passé. Parce que vous savez, si aujourd'hui nous sommes tous là à faire ça, c'est grâce à une idée. Il suffit d'une idée pour que fleurisse quelque chose de magnifique. Et on l'a suivi jusqu'au bout. On a dit on va le faire ce festival. Et franchement, s'il n'avait pas dit, on ne l'aurait peut-être jamais fait. On ne serait pas là aujourd'hui. Christophe. Après, il ne faut pas oublier les à côté, la famille, le soutien. Mon père, par exemple, le soutien malgré. Malgré, je suis souvent sur son dos en répétition. N'est-ce pas? Alors, une fois, j'ai trompé le morceau. Ça m'a. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Faut pas invoquer grand esprit pour l'instant. Mais c'est aussi donc, ma compagne, Sophie, c'est aussi Sylvie, c'est aussi Pascal, la trésorière, la famille Fernand, qui sont au fond. Thérèse, et notre président. Bon, assez parlé. Passons à l'entrée des gladiateurs tout de suite, The Hunger Games. Thank you.
à la flûte pour nous donner le son, les notes pour s'y flotter. Marie-Estelle. Et pour répondre à la flûte, vous avez remarqué, vous n'avez pas entendu les petits oiseaux, les petits gémoqueurs. Sylvain. Et Sylvain. Et bien sûr, pour cette interprétation, vous avez remarqué qu'on a utilisé un petit peu toutes nos percussions. Je tiens à saluer ici au fond. Donc, Mathieu. Bien, nous allons vous interpréter à partir de maintenant bien un morceau qui s'intitule The Final Countdown. Ah, vous vous moquez moi tout à l'heure en anglais, hein, avec mon accent, n'est-ce pas, hein? Mais vous cachez pas, je vous ai vu. Ça veut dire quoi The Final Countdown? J'écoute. Ah, et pas d'ombre, hein? Le compte à rebours final. Eh oui, le compte à rebours final. Bah oui, parce que le programme il se termine. C'est bien. C'est la fin. Il faut bien finir en beauté. Mais après, quand le point d'avance se termine, on redémarre, on va repartir pour 50 ans. Hein. On peut faire ça, je pense. Hein. Bon, d'ici 50 ans, Quentin sera peut-être chef de l'harmonie. C'est peut-être possible. Hein. Ou Mathis, ou Alix. On retrouve. Hein, comme sa maman, Alix. Non. Tout de suite, The Final Countdown. Thank you.
Bonsoir à toutes et à tous. Un grand moment d'émotion. 150 ans. Une belle et grande vieille dame qui en a vu de toutes les couleurs. Je suis assez honoré et fier d'être le maire pour fêter, c'est à ce moment, les 150 ans de cette belle harmonie. Je ne serai pas très long, mais je dois faire quelques remerciements. Je commencerai tout d'abord, je commencerai tout d'abord par le président. Le président qui a accepté de prendre la relève de cette harmonie, c'était pas facile. Et je voudrais remercier en même temps une ancienne présidente, Marie-Estelle. J'espère qu'il n'y a pas d'autres présidents présents dans cette salle, que j'en ai connu quelques-uns, je ne vais pas les citer. Dominique Sauvage, qui aussi est un grand président. Voilà. Donc 150 ans, on aurait du mal à retrouver tous les noms des présidents qui se sont succédés. Oui, il y en a quelques-uns, effectivement, sur les affiches. Et puis, ben, président, c'est bien, il y a aussi ceux qui sont dans l'ombre. Et je vais vous quitter quelques secondes parce que tout ça va venir, je vais aller auprès d'elle. C'est Pascal. De président de l'harmonie de Bouzy depuis les années 1900 et quelques dizaines. Et Pascal est la plus ancienne au bureau de l'harmonie de Bouzy. Alors le nombre d'années, en même temps que Jean, vous voyez, ça fait un beau duo. Voilà, donc Pascal, à travers toi, je voulais remercier tous les bénévoles, hein, quels qu'ils soient, parce qu'ils travaillent beaucoup dans l'ombre. Et sans eux, ben, cette harmonie, il faut des musiciens, j'en parlerai après, mais sans tous ces bénévoles qui ont fait les crêpes, les crocs, et tout au long de l'année, hein, la secrétaire, les secrétaires, hein, parce que c'est pas toujours facile. Donc voilà, à travers Pascal, que je voudrais qu'on applaudisse encore bien fort. Merci à tous les bénévoles. Et puis, ben, nos musiciens et musiciennes. Alors, quelle belle famille, quelle famille. Je vous parle de vous, je pense. Vous nous donnez le plaisir qu'on a à vous écouter, à vous voir. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, sans ces musiciens, sans chef, qu'est-ce qu'il sait? Il y a avec nous Frédéric. Voilà, Frédéric est le dernier, le plus jeune. Il a cité quelques-uns tout à l'heure, ces chefs qui donnent beaucoup, c'est pas toujours facile. Les musiciens peuvent pas toujours être présents, en termes de répétition, on a le résultat aujourd'hui et 150 ans après, ben, l'harmonie de Bouzy existe toujours. Voilà, merci à toutes et à tous et on va encore vous applaudir toutes et tous très très fort. Je terminerai par notre, je ne sais pas si on peut appeler notre parrain de ce jour, Jean, qui a donné tellement à la musique. Jean, c'est, je ne dirai jamais d'assez grand merci, puisque bon, je vais te passer le micro après, tu vas nous dire quelques petits souvenirs. Hein. Mais bon, c'est une longue histoire d'amour entre nous. Hein. Voilà. Sérieuse. Mais voilà. Jean, avec Léo et les Bob, combien de fois il est venu voir l'harmonie,
Jean, on va continuer, on a remis de lui dans les rouages, et puis on a encore aujourd'hui. Mais si j'y suis un tout petit peu pour quelque chose, si on est là tous aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci Jean. Alors, je vais passer la parole à Jean, mais pour ceux qui voudraient, il y a quelques affiches là-bas, puis je vous invite à les lire ou demander des photocopies. C'est une biographie qui a été faite il y a quelques années par notre ami Jean-Marie Leblanc, Jean-Marie, là, sur la vie musicale, on va dire, de Jean, aussi un peu sa vie professionnelle, sa vie privée. Donc, c'est très intéressant. C'est paru il y a une dizaine d'années, Jean-Marie, hein, dans la revue de l'ex-communauté de communes de C2F. Hein, donc, le numéro, vous pouvez vous le reproduire, vous verrez, c'est vraiment une belle passion pour l'habitant. Voilà, Jean, encore merci, et puis je vais te passer la parole pour nous dire quelques mots. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers musiciens, musiciennes, c'est avec une émotion assez profonde qui m'empêche de vous faire un. Je vais vous dire franchement ce que j'ai sur le cœur. D'abord, il faut mettre les choses en place, il faut quand même redire que si nous avons une école de musique qui marche à merveille, c'est quand même grâce à M. Ducard. M. Ducard qui nous a fait une école de musique. Parce que quand j'ai commencé, j'ai récupéré un musicien par-ci par-là, on a essayé, mais sans école de musique, on ne peut rien faire. On ne peut pas former des élèves, on ne peut pas former des musiciens. Et pour constituer une harmonie, ce qu'il faut, ce sont des musiciens. Alors, quand on a.
simplement. Alors, il n'y a pas d'alcool, non. Parce que je sais que dans 2000, dernier 2000, c'était au Boticia un certain nombre d'années, de nombreuses années. Je ne savais plus d'une goutte d'alcool, on va essayer de faire comme toi, hein, c'est pas avoir fait aussi, mais toi tu y arrives. Voilà, enfin, merci. La baguette était toujours aussi dynamique, pas de problème. Ça commence à venir quand même, mais ça va aller fort. Alors, on te demande maintenant pour le 160e anniversaire dans les arbres. J'espère. Voilà, voilà, c'est bon.
Mais j'ai toujours eu énormément de sympathie et puis d'admiration pour la musique qu'il a fait sur le plan musical. Aujourd'hui, malgré ses 47 printemps, c'est ça, j'ai 47 printemps, il continue à être parmi vous et ça, je crois que c'est une très bonne chose. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée et merci encore. Savoir sur l'harmonie de Pouzy, sur notre page Facebook Harmonie de Pouzy, page Facebook donc qui est très active. Grâce à une personne que je n'ai pas connue tout à l'heure, Thierry. Ouais. Merci à tous les musiciens Harmonie de Pouzy. Je vous dis